bleu. Ah, toi, du moment que ça se mange. C'est vrai. Mais les gars, Pumba, on va le manquer. Vois bien que c'est notre invité. Ah oui, où avais-je la tête? Bienvenue dans notre humble demeure, cher ami. Entrez, mettez-vous à l'aise et enlevez vos chaussures. Quel parfum de rêve. Civilisé, très robuste, avec un soupçon de bravoure. Le parfait compère pour une journée de rire, de jeu, bref, pour s'éclater dans la jungle. Allez, allez, c'est parti. Alors, si vous êtes prêts, voici les seuls les plus grands et bientôt connus dans le monde entier, les Jeux de la Jungle. Les Jeux de la Jungle. Les Jeux de la Jungle. Psst, envoyez l'hippo. Ah ouais, Pumba. Oh là là. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je suis prêt à jouer. Moi aussi. À vous maintenant. Pour choisir un jeu ou vérifier votre score, vous cliquez sur cette zone-là et on arrivera avant que vous ayez pu dire Hakuna Matata. Ou alors, vous prenez votre temps et vous cliquez sur les zones cachées du parcours où des milliers de surprises vous attendent. Chouette, des surprises. Par contre, s'il vous faut plus d'informations ou si vous voulez vous arrêter... Vous cliquez ici. C'est à vous de jouer. Ah, Timo, j'en ai la chair de poule. Je croyais t'avoir dit d'enlever les cales dès qu'on aurait terminé. Désolé. Un galet à souhait. Jette-le et fais un vœu. Tu vois, ça marche, ton vœu est exaucé. Bonjour, c'est moi.
Mickey. Rapport des unités souterraines. Bonne bouffe, Capitaine. Vous voulez savoir comment on joue au lâcher de coccinelle? Non merci, j'y joue très bien. Je ne t'ai rien demandé à toi, c'est à eux que je parle. Oh. C'est très très simple. Ah oui, alors pourquoi est-ce que tu perds tout le temps, Timon? Pumba, s'il te plaît, tu vois bien que je suis en train d'expliquer quelque chose, et puis je te signale que je ne perds pas toujours. Mais bien sûr, Timon! Bon, alors comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez nous aider à faire du ménage dans nos réserves en réunissant par groupe de 4 des coccinelles de la même couleur. Ben ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, Timon? Que veut dire exactement cette remarque? Hakuna Matata, Timon! Après tout, ce n'est qu'un jeu, quand même. Alors, je disais donc... Je lâche les coccinelles et vous les mettez par groupe de 4 de la même couleur. Ça fera de la place dans nos réserves pour en ranger d'autres. Le premier joueur qui n'a plus de place libre dans ses réserves a perdu. Explique-leur comment on se sent quand on perd. Et tais-toi, Pumba, là tu dépasses les bornes. Allez, viens, maintenant qu'on voit qui est le meilleur au grand jeu du lâcher de coccinelles. Et attention, celui qui perd est une pauvre banane. Pumba, essaie de ne pas poser de questions ridicules, s'il te plaît. Plein.
Si tu dévores tous les pions, crétin. Désolé. Essaye de ne pas poser de questions ridicules, s'il te plaît. Dévore tous les pions, crétin. Désolé. Dépêche. Bingo.
C'est parti! Essaye de ne pas poser de questions ridicules, s'il te plaît. Essaye de ne pas poser de questions ridicules, s'il te plaît. Thank you.
Comment on va pouvoir jouer si tu dévores tous les pions, crétin? Désolé. C'est mieux d'assortir les couleurs, Timon. Minute papillon, il faut que je donne des explications. Hé, Timon, je suis prêt. Tu permets, Pumba? Le jeu du roteur, c'est très simple. Je secoue les arbres, ce qui va faire dégringoler une véritable avalanche de produits locaux multiples et variés des branches du haut. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer Pumba sous certaines cibles et de déclencher de puissantes explosions de gaz pour qu'elles désintègrent les cibles qui tombent. Timon, je vais pas pouvoir me retenir plus longtemps. Fais un petit effort, mon vieux, j'ai presque fini. Et si par un hasard improbable vous manquiez la cible et qu'elle touche le sol, vous avez une deuxième chance de faire mouche quand même d'un coup de queue de Pumba. Oh, encore une toute petite chose que j'ai oublié de vous dire. Quoi? Quelle petite chose? Essayez, si possible, d'éviter certaines cibles telles que les chimpanzés, les noix de coco et les monstrueuses araignées. Quoi? Allez, en avant pour le roteur. Ça prend du temps pour devenir directeur autistique. En vertu des pouvoirs qui me sont ingérés, je vous fais chevalier des roteurs. Hey, dites-lui de pas me coller. Thank you.
déjà demandé pourquoi l'héros faisait un bruit si drôle. Je ne me le demande pas, je le sais, Pumba. Pourquoi? Parce que c'est du gaz hilarant. T'as compris? J'ai compris. Un jeu divertissant et populaire dans la pure tradition de notre célèbre mot magique Hakuna Matata. Pumba, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en piffre, t'en veux? Non! Ce sont les insectes qui vont servir de balle. Tu es en train de dévorer notre jeu. Oh, j'avais pas vu. Allez, donne-moi ça. Alors, vous êtes prêts à jouer? Et souvenez-vous, les mains sur les flips et les yeux sur la boule. Et roule ta boule! Bonne chance!
canon, génial. Unique en son genre et entièrement fait à la main, plus connu sous le nom de Sarbacane. Vous allez me dire, ah, Timon, tu déménages, ce n'est qu'une jungle toute bête. Mais non, c'est là que vous vous trompez. J'ai préparé des cibles plus vraies que nature sur lesquelles vous, les tireurs, lancerez des murs pour marquer des points. Oui, il m'a aidé un petit peu. Oui. Si vous touchez suffisamment de cibles dans le temps qui vous est imparti, vous pourrez passer au niveau supérieur. Explique-leur ce qu'il faut éviter. J'y viens. Il y a toutefois des cibles qu'il vous faut éviter. D'abord, moi. Et moi. Et tous nos petits amis. Il y a toutefois quelques petites cibles mineures et problématiques sur lesquelles il sera bon de lancer quelques murs. Comme les hyènes.
et tous ces personnages-là. Alors, si vous êtes prêts, et je sens que vous l'êtes, jouons à la sarbacane. Tout le monde en place. Envoie la musique, Pumba. Allez, action. Continue, t'es génial. Thank you.
Bienvenue sur les rives de la merveilleuse rivière, pas question de traverser. En tant que guide, vous avez la noble tâche de me faire sautiller gentiment sur ces eaux tranquilles pour que je puisse me rendre au très célèbre barbecue champêtre qu'organise Pumba. Bref, pour nous résumer, ma misérable vie est entre vos mains. Alors tu viens, Timon? J'ai déjà mis les chiche kebabelouettes sur le grill. Même en une de côté. Il faudrait accélérer le mouvement, alors si vous êtes prêts, en route. Au cas où vous poseriez la question, la rivière n'est pas chauffée. Ne me faites pas sauter n'importe où. Ravi de te voir, mais il faudrait des 1000 pattes à choux. Très bien. Gagné. Oh, j'ai oublié Larissa Régnier. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un ami? Beignet de blattes.
prendre ça de frelon glacé au miel. Retour à la case départ. Chrono rapace. Au péril de ma vie. Oh, finalement non. Yes, guys.
Je me demande ce qu'ils vont choisir. Je ne sais plus où donner du groin. Ah, je crois que vous êtes en bonne voie. Oh, ça y est, on a un gagnant.
pour moi. C'est trop, il fallait pas. Je sais. Oh. C'est pour eux. Ben moi je dis que ceux qui s'aventurent pour s'éclater dans la jungle avec nous méritent une belle fête. Félicitations. À tout à l'heure. Hakuna Matata.